C'est par là. Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique sur The Last of Us 2. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières, un casque, des écouteurs, et on se replonge immédiatement dans la suite de notre aventure. Et surtout, n'oubliez pas le like et le petit commentaire, vous savez que ça fait toujours chaud au cœur. Donc, souvenez-vous, on devait jouer cette dame et ce monsieur qu'on ne connaît pas. Apparemment, ça a l'air d'être une... Alors, soit c'est un autre groupe de survivants de la même ville que Joël, soit c'est d'une autre ville. On ne sait pas, mais quoi qu'il arrive, on va apprendre à les connaître à mon humble avis. On connaît même pas leur prénom. Qu'est-ce que tu fabriques à traîner comme ça, tout seul? J'arrive pas à dormir. Toi non plus? Plus on va vers le sud, et plus c'est joli. Et si on continuait, on pourrait filer jusqu'au Mexique. J'y ai déjà pensé, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Manny. Ouais, quelque chose me dit que c'est pas aussi joli qu'il le dit. Ouais, t'as sûrement raison. Alors, on dirait qu'ils sont en couple, mais je suis pas sûr. En tout cas, il y a des projets d'avenir. Et... T'as fait tout ce chemin dans le noir? Oui. Allez, viens. Et autre chose, et ça c'est plutôt stylé, c'est assez réaliste, c'est qu'on n'a pas leur prénom. Et dans les sous-titres, ils ne disent pas leur prénom. Parce qu'ils se connaissent déjà depuis longtemps. Et nous, on prend un point de vue en cours de vie. Donc, on ne sait pas du tout ce que ça va engendrer. Clairement, à mon avis, ces gens sont spéciaux. Voilà, on va les suivre bien plus d'une fois, je pense. Si on continue comme ça, on sera crevés avant même d'entamer la journée. Arrête, c'est pas si loin. Dis, Mel, ça va? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Oui, elle va bien. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. Ok, on a gratté un prénom, Mel. Une femme du groupe, donc, je suppose. On a déjà gratté un prénom, c'est pas mal. Il est bizarre, est-ce qu'il va me faire un petit coup de Trafalgar? En vrai, regardez. Regardez ce qui va se passer, ça va être incroyable. Vous êtes prêts ou quoi? Ici, c'est magnifique, on fait nos miniatures en direct. Ici, c'est magnifique. Dommage, il y a le sauté. Attendez, bougez pas. Voilà, ok, on est bon. Ouais, je fais mes minias, hein. Je fais mes minias. Eh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez, hop, ça, c'est fait. C'est dans la boîte. De toute façon, on est là pour apprécier le jeu. Quoi? Ah non, c'est mon petit côté un petit peu débilos. Bah ouais, mais tu vas rompre avec Mel, c'est ça? Quoi? Non. Ok. T'inquiète, j'ai eu ma dose. Donc lui est en couple avec Mel, très bien. Alors attends, maintenez L1 et 3. Tu peux me donner l'air en courant? Si t'en es capable, alors moi aussi. Wow. Ok. Ouais, on n'est pas tous aussi gracieux que toi. Ouais, ça. Ça va pas le faire. Ça va aller. C'est trop haut. Vas-y. Oh mon Dieu. Regarde-moi. Abby, ne regarde pas en bas. Je m'appelle donc Abby. Très bien. Owen, faudra repasser par là, au retour? Dis-toi que c'est l'occasion de vaincre tes peurs. Tu sais où tu peux te les carrer, mes peurs. Abby, arrête de me draguer. Abby et Owen, très très bien. On commence à apprendre des petites choses très sympas. On a les prénoms. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut me montrer quoi? Lui, il est chelou quand même. Hein. Tu veux me montrer quoi? Ah, une ville! La ville! Bah oui! Bah oui! La ville où nous sommes. Très bien. On y est? On est arrivé. Putain. C'est carrément une ville. Ouais. Parler à quelqu'un? Je voulais que tu sois la première. Ok. J'ai vu des gardes armés patrouiller entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok.
En admettant qu'il soit là, on fait comment pour l'atteindre? On n'a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il n'aura pas le choix. Non mais tu t'entends. T'as une meilleure idée? Qu'est-ce qui t'arrive, Owen? Mais elle est enceinte. Oh. Ok. Mais c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter. Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre, pas vrai? J'étais sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hey. Arrête. On se voit à ton retour. Ok, bon bah on est parti. On veut quelque chose. Donc on est un autre groupe de survivants qui n'a rien à voir avec la ville. On veut quelque chose qui est dans cette ville. Ils ont dit le. Alors est-ce qu'ils parlent? Je pense qu'ils parlent de l'antidote. Je sais pas. Elle a un sigle WLF. Ça n'a peut-être rien à voir avec la suite de notre aventure et de notre histoire évidemment. Mais il faut quand même repérer ces choses là. Et... je vois pas ce qu'on pourrait vouloir hormis l'antidote. Donc, direction l'interrogatoire sur le garde. Quoi qu'il arrive, on est à l'heure actuelle des adversaires, des ennemis de... Oh, attendez, attendez, parce qu'il y a des petits trucs à fouiller là. Hein. Ça peut être très sympa. Hein. Ah, cascade, ok. On est des adversaires hein, de Ellie et Joël, parce qu'on veut s'en prendre à quelque chose dans cette ville. Okay. Le poste de guet. Pas si loin. Très bien, très bien, très bien. On va y aller calmement, c'est stylé. Mais d'ailleurs, je me pose une question. Comment les infectés font pour survivre? Est-ce qu'on va pouvoir savoir l'hiver? Je crois qu'il disait dans Last of Us 1 qu'il tenait l'hiver parce qu'on a passé toute une saison. D'ailleurs, là, on va faire une année entière dans ce deuxième opus. Il a mis Mel en cloque. Oh là là, j'ai l'air d'être une salope, hein. Excusez-moi du terme, je suis vraiment désolé. Ne reproduisez jamais. Merde. Ok. T'es vivant? Très très bien. Ah oui! Très très bien. Il y a du monde! Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils sont gentils à la base? Est-ce qu'ils sont méchants? Ok, je pensais qu'il y avait un chemin. Hop, je marche sur des cadavres sans aucune putain de pression. Ah ouais, y a plus de côté humain. Ah non, on va aller dans une grotte. Quel est cet enfer? Pas de screamer, hein, je suis collé à l'écran, s'il vous plaît. Oh putain. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Et con, par contre, qu'est-ce qu'elle fout là, putain? Ok. Bon, elle a essayé de... Bon, il y a eu un mini... voilà, c'était... Ah putain, voilà, fallait que j'aille ma gueule. Ok. What? What? Mais il met des vraies gifles. Dégage. C'est la bagarre. C'est un aller simple pour l'enfer. Esquive. Double esquive. Hop, patate. Ok, mon pote. Esquive. Patate. Patate. Voilà. Voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qui veut se taper ici, là? C'est Kichou ou quoi?
Quelqu'un d'autre encore? C'est la guerre! On est en temps de guerre! Ok. Quoi? Eh, c'est un truc de ouf. Allez, maintenant c'est la frite! Patate! Oh là! Oh là! Oh là! Alors, par contre, le système de fight est beaucoup plus jouissif. Équipe 1, kit médical est beaucoup, beaucoup plus jouissif que The Last of Us 1. J'ai kiffé mettre des patates, c'est trop stylé. Il y a un vrai système de corps à corps cette fois. En tout cas, plus recherché que le 1, clairement. Ok. Trop stylé. Elle se défend bien la petite habille, hein. Même si ça a l'air d'être une méchante personne. Ok, ok. On retrouve notre lampe. D'accord, on va fouiller tout ce qu'on peut fouiller. Très bien. Ouais, il n'y a pas grand chose. Oh, c'est bon, ça joue. Ça joue. Alors par contre, un petit truc un peu contre-intuitif, R2 pour recharger. Je sais plus si c'était pareil dans le 1. Mais va falloir y penser. D'habitude, tous les jeux du monde, c'est carré. Mais là, carré, je peux mettre des patates avec le pistolet. Ok, d'accord. Ok, je comprends mieux pourquoi. Mais va falloir quand même y penser. Oh, c'est vraiment trop stylé. Ah, c'est vraiment trop stylé. Oh, je suis en kiff total. Ok. Malheureusement, on peut pas fouiller les cadavres, c'est dommage. Pourquoi on pourrait pas fouiller les cadavres? Peut-être que dans le manteau, il y a des trucs qui peuvent être utiles, tu vois. Genre un cure-dent, une allumette, un briquet, un god ceinture. Enfin, je sais pas de quoi s'amuser. Je rappelle que le jeu est interdit au moins de 18 ans. Alors évidemment, tous ceux qui regardent ce let's play ont plus de 18 ans. N'est-ce pas? On peut se permettre les blagues un peu salaces et cocasses. Ok, okay. Une mèche de balle, hein. Il peut pas être loin. Il me reste deux balles. Ok. De toute évidence. Ah ouais. Ok, et là on va faire un brisage de nuque dans les règles. Ok, je pouvais la garder en otage. C'est bien ça. Hop, et vous voyez, deux cartouches sur elle. C'est plutôt cool. Ok, donc dès qu'on reste appuyé sur R1, on se met automatiquement en position accroupie. Hop, ça je prends. Ça, on se régale. Par contre, les gars, des pistolets, hein, avec des chargeurs de 6, un petit peu ridicule si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on continue. Tiens, on va fouiller quand même là-dedans, on sait jamais. Des soins, des bandages, un sur un. Hein, voilà. On attend d'en croiser un. Je sais plus s'ils existent encore. Ou un cheval. J'adore les chevaux. Ok, très bien. Eh ben, on n'a plus rien à fouiller. On peut descendre. Ok, il y en a qu'un. Il y en a un deuxième là-haut. Hein. Signature thermique. Ok, il y en a juste de l'autre côté là du mur. Très bien. Alors évidemment. Oh la vache, il m'a fait peur! Alors évidemment, la lumière regarde à un endroit où la lampe n'est pas dirigée, comme là par exemple. C'est normal, hein, c'est pour la praticité du jeu. Parce que si on fait un gameplay ultra réaliste, bah on est mort. Ok. Oh la vache. Ok. Ha!
Allez, bon, ça dégage. Ouais, mais ça, c'est dans la discrétion. Hop, petit brisage de nuque, ça fait plaisir. On a 10 balles sur nous. Excusez-moi, 11 balles, je viens d'en trouver. On va peut-être pouvoir fouiller ici, non? Je sais pas. Oh, plein, pardon. Je suis plein de nourriture, déjà. Ça a l'air d'être de la bonne pâte, en plus, ça. Briques, j'en ai pas. Et ça, c'est bien dommage. J'adore les briques, hein, vous le savez, hein, depuis le 1. Ah, c'est dommage. Peut-être qu'on repassera ici avec Ellie, je sais pas où, avec quelqu'un d'autre. Putain, je sais pas où je suis. Ouais, mais c'est vrai qu'on a fait une belle glissade aussi. Hein. Est-ce que... Oh oui, je peux monter. Oh, j'ai pas fait au pied. Ok. On va regarder derrière, y'a rien. Toujours regarder derrière soi. C'est vrai que je peux l'enculer là. Il va pas se retourner. Ici. C'est bon. Heureusement qu'il a une vision pas très élargie. On a eu chaud, mais ça a été fait. 12 balles, c'est pas mal. Attendez. Mon sens de l'araignée. Ah, 3. On en est là, putain. Mais c'est pas ici, hein. Calmement. Ok. 3 signatures. Auditive. Je peux l'arracher. Ils font stresser un peu avec leur bouche, ou pas? Ils font stresser parce qu'on dirait qu'ils ont froid, c'est bizarre un peu. C'est malsain. Mais plus c'est malsain, mieux c'est, tu vois ce que je veux dire? Oh putain, je vais la piste. Toujours 2 signatures. On va profiter de ce moment-là. Ok. Désolé. Je peux pas parler dans des situations aussi, aussi compliquées que celle-ci. Ouais, peut-être qu'il n'y en a pas d'autres. Il y en a beaucoup là quand même. Hein. Où est la route? Donc on va passer par ici. Là, clairement, il nous montre que c'est des zones beaucoup plus grandes dès le début. Là, en fait, alors, il n'y a pas vraiment le choix, on peut passer sous le camion ou sous la voiture, ça revient au même. Mais c'est juste pour dire, attention, vous allez voir qu'après, vous allez rencontrer des zones bien plus vastes, bien plus grandes. Choisissez le bon endroit, clairement. Ok, des traces de pas, ça c'est frais ça. Des traces de chevaux. Abby, elle fait la thug un peu. Ça me plaît pas, ça. Allez, viens. Par ici. Ah, on est reparti avec notre amie Ellie. Let's go. Regardez comme c'est magnifique. Est-ce qu'il te manque ? Jessie ? Non. Vous étiez ensemble depuis longtemps. Écoute, Jessie est géniale. J'adore ses parents. Ils seront toujours ma famille. Mais on était en pilote automatique. Comment ça se fait qu'on n'en ait jamais parlé avant? Je sais pas. J'avais pas... Toi, tu m'as jamais vraiment parlé de Kat. Ouais. Parce que... il n'y a pas grand-chose à dire. Aïe. J'avais l'impression que tu l'aimais pas vraiment. Pour tout te dire, je m'en fiche totalement. Ok. Mais elle est douée comme artiste. En fait, je commence à aimer ton tatouage. Comme c'est gentil. Mais je pense qu'elle n'était pas faite pour toi. Intéressant. Et toi? Ok. Ok. Bon. Très bien, je vois qu'il faut sauter.
peu attaché Payette ici. Eh, mais j'ai un cheval qui s'appelle Payette, y'a rien qui va, putain. Mais bon! Le cheval, c'est vraiment génial! Eh. Hey. Il avait appelé Findus dans The Last of Us 1, j'espère que ça vous rappelle des souvenirs. Tu vas te montrer du doigt, c'est ça? Non, hallucinant, c'est pas le mot. D'accord. Allez, la débile. Ah oui! C'est pas très sympa! Ok, on a rien à gauche. C'est beau! Attendez. Hop, pour une autre minia. Ouais, mais les gars, mais tous les décors ici, c'est digne des plus grandes miniatures au monde. Attendez. Je suis désolé. Ouais, mais on est obligé. On est obligé. Ok. Qu'est-ce que tu dis de cette vue, hein? C'est plutôt sympa. Ouais, elle est cool, cette route. Où il est, le registre? Viens. Merde. Eh ben voilà, regardez, on l'a, notre miniature. Elle s'est faite toute seule. C'est incroyable. Il y a plein de petits chalets. Oh, c'est beau. Allez, on se tire. J'espère que vous avez apprécié cette belle vue. Apparemment, tu faisais cette patrouille avec qui avant ? Jessie ? Eugène. Oh, ouais, Eugène. Il était trop drôle. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle est déjà venue bien plus vite que ici. Où veux-tu m'emmener, petite ? En plus, il m'a appris à recâbler des circuits et d'autres trucs dans le genre. J'espère avoir autant la patate à 73 ans. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. Ok. Elle a l'air en confiance. Très bien, je follow. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est beau, c'est stylé. Signe le registre. C'était quoi, cet endroit ? C'était une tour radio avant. Merde ! Elle m'a dit, signe le registre, il y avait un triangle à faire quelque part. J'ai pas fait attention. Catastrophe ? C'était là. Ok, on peut ramasser... Oh ! Oh ! Utiliser des pièces de récupération ! Ça, c'est fait, on en a récupéré pas mal, en vrai. On va déjà peut-être pouvoir crafter notre première chose dans ce... Oh, une chicha, frérot. Ça va chicher à mort. J'imagine que le banc, c'est celui de Gênes. Ah ouais, non, c'est un banc, carrément. C'est lui qui me l'a donné. D'ailleurs, t'en as sur toi ? Oh, j'aimerais bien. Le Gênes en avait toujours, lui. Ok, il n'y a pas d'autres pièces à récup. Donc, c'était l'atelier de Gênes, de toute évidence. Vous l'aurez compris, je pense. Ok. Et voilà. Très bien, le 8-12, c'est Dina qui est venue, Eugène. Rien à signaler. Le 27-12, Dina et Eugène, on a trouvé un cheval coincé dans la glace. Sauvé, on le ramène au camp. Très bien, 24, rien à signaler. Un claqueur dans le sous-sol du 2358 Mountain View, éliminé. D'accord, c'est tout le registre de ce qu'ils ont vu, mais c'est super. En gros, c'est à nous de prendre la garde. Ça veut dire que c'est nous ? Vous pensez qu'on va tomber sur Abby ? Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. La dernière étape, c'est cette ville. Regarde. Très belle ville. Voilà la ville. Avec l'espèce de grande tour. Ouais, c'est là qu'est le prochain poste de guet. C'est grand, hein.
Ça va swinguer là-dedans, hein, je te le dis. Hein. Viens, on retourne aux chevaux. Ça va swinguer. Ok, j'aimerais tellement qu'ils fassent un film The Last of Us. Je crois qu'ils en avaient parlé pendant un moment. Il y aura un film Uncharted, ça c'est évident. Question. Tu portais pas déjà les mêmes preuves hier? Elles sont propres. Je juge pas. C'est une patrouille. On est là pour buter des infectés, pas pour un défilé. T'es quand même canon. Merci. Un peu crade apparemment sur le coup. Ellie va falloir un petit peu se... Hein, changer ses fringues. Puis je sais pas si le pistolet comme ça là, dans le jean, à tout moment ça peut tirer frérot. Ah bah c'est une histoire, là tu peux perdre un bout de fesse très rapidement. Hein. Tu prends le flingue, gâchette sensible, ce qu'on m'appelle en plus la gâchette sensible dans le milieu, ça peut partir en cacahuète. Hein. On va fouiller là-dedans. Je m'incruste. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Coucou. Ah bah tiens. Tiens, une balle de pompe. Voilà, tu vois, ça vaut le coup, mon pote. C'est-à-dire qu'on va avoir le pompe. Ah non, c'est une balle de fusil. Je reconnais. Ouais, c'est du 7,62. Bon, pas du tout. Ok, paillette. Cette ambiance post-apocalyptique est réellement trop bien foutue. Je kiffe. Y a pas de musique inutile. Ça parle pas pour rien. Parce que c'est comme ça, tu sais, tu te dis... Dans un jeu vidéo, la plupart, ils parlent tout le temps. Il faut que ça parle tout le temps, tu vois, pour pas ennuyer la personne et tout. Mais là, c'est l'ambiance. On t'émerge dans une ambiance, entre guillemets, un peu réaliste. Ils parlent pas pour rien s'ils ont rien à se dire. On devrait mourir et voilà, comme Eugène. C'est ça qui est ouf, en fait. Quoi, d'un AVC? Ça fait vraiment kiffer. Non, de vieillesse, après avoir bien vécu. Toi, jamais de la vie. T'es trop imprudente. Oh, tu peux parler. Oh. Tu mourras sans doute d'hypothermie à force de marcher avec des baskets en toile dans la neige. Hé, hey, je porte des bottes, là. Tu sais comment tu vas mourir? Bon, laisse-moi deviner. Tu vas me tuer? Rigolons pas trop vite de cette blague. Ta blague? Non! Peut-être. Ta gueule. Désolé. Mais c'est grand, ici. Hé, hey, tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons? Bah oui. Ça a l'air mort, mais on peut si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver. En même temps, ma sœur, la terre est morte. J'y vais. Rien à foutre. Rien à foutre. On nous donne l'occasion de fouiller. Attends-moi la paillette. Fais pas le con. Je peux te dire que je vais la saisir. Elle a raison, c'est totalement mort. On va aller voir la caravane quand même. Qu'est-ce que tu sais sur cet endroit ? C'est juste un autre quartier qui a été évacué. Les infectés arrivent quasiment jamais jusqu'ici. D'habitude, on échappe sur le périmètre extérieur. Voilà. Eh, regardez. Suffit de rentrer son ventre et on trouve très vite elle des vis cool, et des boulons par caravane. Ici. Oh, une vraie cool. Petite maison portable. Très bien. Les stimulants tu vous permettent d'apprendre les gens voyageaient vraiment là-dedans? Tu le ferais pas, toi? Si j'avais vécu avant l'épidémie, carrément. J'aurais fait le tour du pays. Ou même partir à l'étranger. Trop de trucs ici en vrai. Un jour peut-être. Insane. Ah, c'est beau de rêver. Beaucoup trop de trucs. Jesse parlait beaucoup du Canada. Je trouvais un truc entier de mécano là. Des espèces de chutes d'eau géantes. Ah ouais? Je croyais qu'il était amoureux de Jackson. Chacun ses rêves. Je crois que mon cheval est ici. Tu fais quoi ce soir? Je pensais ouais. Faire une soirée film avec Joël. Oh. Et ça va, vous deux? Ouais. Un Sugoi? Putain, un coffre comme ça, on peut pas le fouiller, c'est très frustrant. Oh, Sugoi? Ok. De toute évidence, je peux mettre des compétences. J'ai hâte de voir aussi le tableau, ce que ça va donner. Encore des cartouches de fusil, ça c'est bon ça. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, une carte de joueur de... Ah non, pas du tout, ça a changé. Oh, je l'ai pas celle-là. C'est pas une des cartes de super-héros que tu collectionnes? Ah, ouais. Tesseractor, identité inconnue, intelligence 80 et force 60. On ignore d'où ou de quand provient ce mystérieux être transdimensionnel surgi de nulle part. Sa capacité à se déplacer à travers les espaces, un espace à 4 dimensions, lui a permis de renverser le cours de bien des batailles. Cependant, ce pouvoir l'affaiblit et le laisse aussi vulnérable qu'un nouveau-né.
Le surnom de Tesseractor lui a été donné par la Society of Champions qui ignorait son nom. Certains pensent que Tesseractor garde volontairement sa véritable identité secrète. Eh ben, c'est très bien ça. Première carte à collectionner. Vous allez regarder quoi comme film? Il aime quoi, Joël? Curtis et Viper 2. Ça fait un moment que je veux le regarder, celui-là. Ah, ok. On se regardait souvent des films d'action des années 80. Il est complètement fan. Ah. C'est plutôt pas mal, en fait. Ok. Et toi, alors? On prend notre temps. Tu fais quoi après ça? Avec les autres, on parlait de faire le mur. Pour faire de la luge. Ça a l'air marrant. Très bien, je pense qu'on a tout fouillé. Alors, est-ce que je peux regarder, s'il vous plaît? Attendez, je suppose qu'il faut descendre, non? Ça parle de quoi, Curtis et Viper 2? C'est deux anciens commandos qui abandonnent tout pour combattre des méchants. Et je crois que dans celui-là, ils affrontent des espions russes. Oh, c'est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. Ok, donc le jeune Viper a suivi un entraînement de ninja. Et il déchire vraiment tout. Mais il a quel âge dans le premier film? 10 ans. Oh, 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 oh. Vous pensez qu'on peut passer par-dessus là-haut? Je prends vraiment mon temps pour fouiller, j'espère que vous kiffez. C'est vraiment le genre d'aventure, je veux prendre mon temps. De toute évidence, il faut aussi ramasser des pilules, parce que grâce aux pilules, on va pouvoir améliorer une sorte de petit bordel. Arbre de compétences. Il fait encore plus froid. Ouais, c'est vrai. Et j'en ai 9, il en faut au moins 40 pour la première compétence. Ok. Faut aller tout droit, non? Doucement. Ah! Putain, merde. C'est encore frais, ça. Oh, c'est pas vrai. Oh, ça pue. Mais c'est des infectés qui ont fait ça. Tu crois qu'il en faut combien pour buter un élan? Pas qu'un seul. Ils sont où, putain? Allons les trouver. Une vaillep? Ok. Merde. Okay, il y en a à l'intérieur. Comment ils ont fait pour entrer? Oh, je suis énervé, hein. Et surtout, comment on fait pour entrer? Oh, je suis énervé de ouf, hein. Je vois plein de traces différentes. Par là, par là. Dina, vas-y. Coureur. Hop. Ça s'est attrapé. Voilà. Ah, ah ouais. Oh, ce détail. Ce détail du gore. Oh bah tiens, t'as fait tomber un bout de cœur. Il est mort. De jambes. Et deux. Ouais. On va essayer de faire le tour pour rentrer par l'arrière du supermarché. Bonne idée. Attends. On peut ouvrir ici, non? J'essayais quand même, j'essayais. Je m'en doutais, mais sur un malentendu. Les portes fermées peuvent s'ouvrir de l'autre côté. Ouais, super. Ah oui, c'est les poignées américaines. On adore l'Amérique. Ici, en Amérique, on peut ouvrir des portes un peu... Oh, ça, je prends ça. Oh, encore d'où Jésus. Je prends ça. Ok. Donc, je suppose qu'il faut passer par ici, non? Yes. Non, Keblo? Non, c'est bon. Ah! Lance. Ok. C'est clair. Oh, oh, oh. Ah, ils ont bien perfectionné les attaques. Ça, c'est bon, ça ouais. Aussi. Joli lancé, au fait. Merci. On va pouvoir faire des combos, mon ami. Je te raconte pas. C'est quoi ton record d'infectés tués pendant une patrouille? Ouais, 45 hors taxes. Ça doit être celle que j'ai faite avec Joël il y a environ un an. Il y en avait peut-être une douzaine. Et toi? J'en ai buté à peu près 20 une fois. Il y avait un groupe de passage. Putain.
Comment ça s'appelle? Peut-être qu'on va battre ton record aujourd'hui. Ok, on a tout fouillé. On a tout fouillé, on se casse. Par contre, on se casse par où? Ceci est une question par là. C'est bon, j'ai trouvé. Toujours suivre le sang. Et ils sont... Dina, par ici. Les coureurs. Ne fais pas de bruit. On va voir ce que ça donne. C'est trop bien qu'on puisse les garder en bouclier. C'est trop bien. Allez, ça dégage. Ok. On continue encore pour notre plus grand plaisir. Un petit épisode de 40 minutes, on va pas cracher dessus. Je vous vois arriver. Vous habituez pas trop à ça quand même. Ah, regarde-moi ça, non? Ah putain, dommage. Genre juste ouvrir ici, ça aurait été ouf. On va appeler le sens de l'araignée. Deux à droite, un à gauche. Tout ceci est embêtant. Une brique. C'est bon, ça va. Plus de peur que de mal. C'est rien, Enera, calme-toi. Que tout le monde se calme. Il y en a pas d'autres? Ok. Non. Bon. J'ai pris une petite patate. Ma barre de vie, j'ai pris une petite patate. Voilà, je le dis, je me confesse à vous. On va faire le tour. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Oh là 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 là. Ouais, mais je pensais pas qu'il allait me faire ce coup-là, en fait. Oh, ouais, mais je suis énervé en ce moment, d'accord. Ok, on va garder la bouteille. Ouais, mais c'est le retour de la brique, je devais inaugurer ça. Ah, fait chier. Très bien. On fait quoi là? On doit rentrer? Non, on doit passer par là, ouais. Je sais pas. Où va-t-on? Ah ouais. Ellie, aide-moi à monter. Je vais jeter un coup d'œil. Ça va swinguer, hein? Ok, vas-y. Il y a un trou dans le toit, là-bas. Là. Mais nos chevaux, ils vont pas s'inquiéter. Merci. Là, tu vois? Bon, on n'a plus qu'à trouver comment y aller. Ok. Eh ben écoutez, je pense qu'on va essayer d'aller en hauteur. Et... ça sera déjà pas mal. On a rien à gauche. C'est par ici. Dina, là-dessous. Ah ouais, putain, j'ai ma bouteille. C'est trop bien. Ok, combat de jeep. Oh bien. Ellie, est-ce que ça va? Ouais. Juste un peu secoué. Ouais, t'as intérêt à mourir de vieillesse et pas en trouvant un idée. Je veux pas être obligée de te tirer une balle dans la tête. Ok. Super. Mais attendez, non, il y a un problème là. Oh, pardon. Excuse-moi, tu m'en voudras pas. J'ai voulu te mettre un coup de couteau. C'est un réflexe de survie. Attendez, il y a un truc fort embêtant. Il faut que je me soigne. Sinon, on va droit au drame. Et pour les soins, j'ai plus rien. Donc j'ai pas le droit à la mort. C'est embêtant. Enfin, j'ai pas envie de mourir au deuxième épisode. Comment on peut soigner? Putain, j'ai pas un soin, j'ai rien. Ok. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon aussi. Alors, lisons cette petite lettre. Madame, je suis sincèrement désolé pour ce que j'ai fait. Je voulais pas vous faire de mal. Je voulais rien d'autre que les médicaments. Votre mari m'a attaqué. J'avais pas le choix.
Ma petite sœur sans plus ses jambes. J'avais besoin d'insuline. Personne ne veut m'en donner. J'avais pas le choix. J'espère qu'il survivra. Qu'il survivra. Je vous demande pardon. Très bien, très bien, très bien. Bon bah, de toute évidence, j'ai mis un mari à mal. Et ça fait mal. Ok, on n'a rien par ici. J'espère rien louper. Faudrait que je me soigne, vraiment, vraiment. Tu vois un moyen d'atteindre le toit ? Pas sûr. Ouais. Vas-y, fais-moi rêver, parce que là, je comprends pas. J'ai pas saisi l'opportunité de la chose. Peut-être en passant par là, non ? Quelqu'un d'intelligent aurait monté la gouttière. Apparemment, je suis un peu con. Je vois vraiment pas là. Je vois vraiment pas par où. Parce que là, c'est des pics, ça va swinguer. Peut-être par là, non ? Je sais pas, je tente des trucs. J'en ai aucune putain d'idée. Ah, attends. Ok, mais non. Mais oui, mais j'ai une idée. C'est par ici. Suivez-moi. Suivez l'artiste. Voilà. On est bon. C'est un beau toit qu'on a atteint, les gars. Allez, let's go. Eh bien, on va pouvoir s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et on se retrouve dès demain pour l'épisode 3 de notre aventure. Et comme d'habitude, 4K, 60 FPS. À très vite, partagez-moi ça. À balle. Bisous tout le monde, ciao ciao.